Finir cette consigne sur la science-fiction. On aura besoin d'un crayon à papier, on aura besoin de ciseaux, on aura besoin de cutter, on aura besoin de compas, on aura besoin de feutre, on aura besoin d'une règle, on aura besoin aussi de scotch repositionnable, mais si on n'en a pas, on trouvera une autre solution, de pinceaux, de crayons de couleur, d'encre et de peinture avec juste les couleurs primaires. Et puis évidemment, palette, chiffon, gomme. Avant de commencer, on va regarder quelques œuvres de Guy Allot, par exemple, un illustrateur qui a travaillé sur les vaisseaux spatiaux. Ou encore John Berkey. Avec des illustrations très poussées, beaucoup de profondeur, beaucoup de lumière. Ce genre de graphisme doit vous rappeler un petit peu quelque chose. En effet, George Lucas a fait appel à lui pour créer une partie des éléments de Star Wars. Mézières dans les créateurs de bandes dessinées, sans oublier évidemment Moebius. Voilà quelques formes qui peuvent vous inspirer, évidemment il y en a beaucoup d'autres. Et pour nous, le travail au départ, ça va être de faire du croquis, crayon à papier. Faire des recherches de forme, en faire de plus en plus, ne pas gommer. On peut s'inspirer de formes animales ou s'inspirer de formes de véhicules existants. L'idée, c'est de garder toutes les recherches parce qu'on pourra peut-être prendre des bouts de l'un ou de l'autre. Il va falloir aussi, à un moment, se poser des questions de point de vue. Est-ce qu'on va montrer notre vaisseau spatial de côté ou bien un peu en perspective? Alors pour ça, vous rappelez, on fait une forme simple, un point de fuite, on trace à partir des angles et on va tailler notre vaisseau au sein de ce pavé, si c'est un pavé qu'on a construit. Ensuite, on va travailler le vaisseau spatial au crayon à papier, puis le suraligner au feutre, si on le travaille au crayon de couleur, parce qu'évidemment, si on va le travailler à l'encre, on mettra le feutre qu'à la fin, pour pas faire baver le feutre. Pas oublier de mettre des ombres pour mettre un petit peu de volume à tout ça. On va ensuite découper le vaisseau spatial et préparer le fond. On va placer le vaisseau spatial sur le fond et le détourer pour placer les éléments, je sais pas, la propulsion des réacteurs, des planètes. On va faire des réserves au scotch repositionnable qu'on va tailler ensuite au cutter, mais si on n'en a pas, c'est pas grave, on s'amusera à faire les planètes en découpant du papier, en leur ajoutant par collage. On va ensuite peindre notre fond avec des noirs, des bleus foncés, des violets, chacun de choisir sa couleur. Puis travailler les planètes à l'encre. L'encre va permettre de garder la lumière du papier et donc ajouter de la profondeur sur le noir profond de la peinture. On peut s'amuser à mettre des étoiles, à faire des cratères en rajoutant des gouttes d'eau sur l'encre une fois sèche, puis en séchant ces gouttes avec un chiffon. On rajoute ces petites étoiles, un truc sympa c'est de prendre une pointe de crayon et la tremper dans la peinture pour avoir des petits points très précis. Et puis on ajoute son vaisseau spatial. Ensuite, on s'amuse avec des crayons de couleur à rehausser les planètes, les ombres, voire même à rajouter des galaxies en rajoutant un petit peu de crayon blanc par endroit pour créer un petit peu de profondeur. On peut enfin s'amuser à découper des éléments dans des magazines pour rajouter des éléments sur notre petite vue spatiale
Voilà. Pour le plaisir des yeux, quelques constellations de plasticiens comme Monino. Ou bien sûr Miro. Et voilà pour cette fin de consigne sur la science-fiction. Un petit peu de perspective, un petit peu de mélange de techniques. Puis surtout, faites bien appel à votre imagination. Prenez du plaisir, tant qu'à faire. Et à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.